moi, c'est tous les mêmes. Bon. Ah non, eux, il n'y a vraiment pas de souci. Donc, il n'y a pas de plainte à déposer? Non, pas du tout. Bon, ben, je vous remercie. Merci, au revoir. Au revoir. C'est quand même tous les mêmes. Un contrôle. C'est à vous, ça? Oui, c'est à moi. Qu'est-ce que j'en fais encore? On se calme. Pour l'instant, ça... Il y a quoi? Il y a quoi? On va parler gentiment. Il est à vous, ce portefeuille? Non, mon oncle. Ah ouais? Ouais. Molinari? Oui. Ton oncle? Ouais. Il est blanc. Et alors? Ça veut dire quoi, ça? C'est pas ta famille. Si, c'est ma famille, ça veut dire quoi? Bon, comment t'appelles? On m'appelle Diabatou Désiré. On met d'espérance. Je m'appelle Abdou Niagaté. On vous a rien demandé à vous. Bosse sur nous-mêmes, bah écoutez. Rakasouba, du Tcheka. Basile Djambedel. Et Rachid. Vous reculez un peu. On vous a rien demandé. Et alors? Vos gueules. Si on veut parler, on parle. Ah, pas de gueule déjà, parlez bien. Vous allez chez vous. C'est pas vous, ça regarde. Ce sont eux les voleurs, c'est pas vous. Quel voleur? On n'est pas des voleurs, nous. Vous n'êtes pas voleurs? Non. Tu vas nous expliquer au poste. Quel poste? Oui. Tu vas nous expliquer au poste pourquoi tu avais ce portefeuille dans ta poche avec ça. Mais demain on est un mariage. Oh, tu te crois que chef de gang, toi, ou quoi? On est un mariage demain. On est un mariage demain. Tu as un mariage, j'aimerais bien te voir avec une cravate et un costume, toi. Oh, on a le droit de mettre une cravate, c'est un raciste. Ah, tu as vu? Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? On se calme, les gars. On est deux voleurs. Quel voleur? On n'est pas des voleurs, non. Arrive. On se calme, les gars. Tu t'appelles pas Molinari, donc tu vas venir au poste. Ah, bah, c'est voleur. Vous allez venir, on va faire venir votre famille. On va expliquer au poste. Vous allez nous expliquer pourquoi vous avez tout ça avec le portefeuille de ce monsieur. Voilà, c'est tout. Vous êtes tous les mêmes. Vous êtes tous des voleurs. On se calme, les gars. Vous avez une preuve qui s'appelle mon pas Molinari. Je vous parle là. Vous m'écoutez là? C'est un fou ce bâtiment. Est-ce que vous m'écoutez là? Allez, rentrez. On se calme là. Rentrez chez vous. Je ne vous permets pas de parler aux jeunes comme ça, monsieur l'agent. Je leur parle comme je veux. Non, non, vous faites votre travail, mais je ne permets pas que vous les parlez comme ça. Vous faites votre travail, mais vous ne les parlez pas comme ça. Je ne suis pas d'accord. Les jeunes, rentrez chez vous, laissez-moi faire. Et vous, désirez, parce que c'est grâce à moi que vous avez eu le poste. Rentrez chez vous, c'est pas grave. On va s'en expliquer. Voilà. Il ne faut surtout pas qu'ils prennent nos places. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis un médicament au point qui va faire de vrais légumes. Il ne reste plus qu'à les tester. Je compte sur vous. Comment tu t'appelles? Claire. C'était qui ce type? Il m'avait fait prisonnière. Je me suis échappée. Il n'y avait que des femmes et des filles. Ils nous gavaient comme des oies. On ne comprenait rien. On entendait des cris. Il y avait du sang partout. Il nous disait que l'on serait meilleur au coup, que de toute façon, il n'y avait plus d'avenir depuis cette catastrophe, que l'humanité devait disparaître et que les femmes n'avaient plus de raison d'être. Ils ne croyaient plus en l'homme.
j'ai vraiment besoin de toi là. Et bougez-vous avant que l'on ferme, on n'a pas que ça à faire. On va pas attendre que vous ayez fini pour partir. Priscilla, les chaises sur la table. Défie ça. Allez, on se bouge à votre âge quand même. Allez, Priscilla, allez vite. Et demain, Priscilla, venez en mini-jupe pour attirer les clients. Ça va pas, espèce de connard? Il y en a assez de vos insultes. Allez, payez-moi mon mois et je me casse. Vous préférez peut-être que je vous attaque pour harcèlement? À vous de choisir. Monsieur, s'il vous plaît, je téléphone. Merci de ne pas me déranger. Mais c'est à mon voisin de table. Mec qui pose pas. Oui. Allô? Comment j'entends pas? Vous pouvez baisser la musique, ça me dérange. Je suis dans ma voiture, je m'excuse, j'ai besoin de détente, moi. La musique, ça me fait du bien, ça me calme après une journée de travail. Mais, je peux pas faire attention, celui-là, quand même? Et allez, celui-là, il crie de peau rouge, là. Oh là là. Vous pouvez vraiment pas baisser la musique, s'il vous plaît? Comment? Vous pouvez vraiment pas baisser la musique, j'ai mal à la tête. C'est pas mon problème, monsieur. Si vous n'êtes pas content, vous descendez ici. Hein. Je vous laisse en pleine nature, moi. C'est bien, arrêtez la voiture. Je vais prendre pour vous. 10 euros, s'il vous plaît. Voilà, c'est bien. C'est quoi la différence entre la viande halal et la viande qu'on mange nous tous les jours? C'est la façon dont on abat les moutons. Nous, on les égorge en disant Bismillah, Allahu Akbar. Ça veut dire quoi ça? Au nom du Dieu, le Dieu est grand. Et on attend que la bête soit morte, après on la découpe. Oui, j'ai vu ça. Celui de la corrida? Mais non, le matador en fait c'est une sorte de marteau à air comprimé et ça leur envoie une pièce de métal dans leur cerveau. Dans leur cerveau. Vous comprenez pourquoi je suis végétarienne maintenant? Eh ben, après tout ça, bon appétit, hein. Heureusement qu'on a mangé, parce que sinon... Walou, ma cache, Walou.